Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est la liberté et l'épanouissement de la femme en islam. Donc pourquoi je fais ça? Donc je réagis par rapport à déjà ce que j'avais compris, ce que je vis et puis ce que j'ai cru comprendre via internet depuis mes articles concernant la femme. Donc sur le voile, sur la mixité, sur le travail, sur le foyer. Donc je suis vu comme un monstre, un homme frustré, un dictateur, un iste, etc., etc. Hein, bref, vous avez compris quoi. Enfin bon, alhamdoulilah, je ne suis pas seul, bien heureusement. Il s'agit en fait de ceux qui essayent d'appliquer l'islam, ni plus ni moins, face à une société plongée dans le dajjal. Et ça, c'est très très dur à comprendre. C'est très 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 dur à comprendre. A quand même essayer. Donc tout d'abord, via son épouse, que ce soit pour le choix de l'épouse ou pour la vie commune, c'est la confiance en Allah avant tout. Hein. Je veux dire, voilà. C'est Allah qui surveille, c'est Allah qui donne, c'est. Ça sert à rien de vouloir trop tout calculer non plus. C'est pas une bonne chose forcément. Maintenant, ceci dit, il y a quand même des choses à faire nous-mêmes. Allah, il fait pas tout. Il supervise. Mais nous, on doit être vigilants au quotidien, choisir la bonne personne. Dire les vraies choses à la personne, ne pas se laisser faire, sinon ce serait trop facile. Voilà. Donc j'ai de la peine, j'ai franchement de la peine de voir des, attention mes propos, des féministes islamiques. C'est un concept étrange et schizophrène, Abou Ayan en avait parlé, c'est-à-dire de vouloir en permanence, je m'acharne pas sur la femme, c'est la pauvre, mesquine, je la plains, c'est la société qui l'a rendue comme ça. Une femme, elle n'est pas comme ça à la naissance, c'est pas vrai. Donc c'est le concept de vouloir se mettre en permanence au-dessus de l'homme, de s'affirmer, de s'émanciper, en gros de faire un mai 68 sur la charia. Tous les jours, c'est comme ça. Tout en pratiquant et en parlant d'islam. Donc c'est quoi? C'est de la schizophrénie. C'est de la schizophrénie. Ça veut rien dire. Donc ça passe par quoi? Prendre le pardon d'Allah comme excuse à tous les péchés, déjà. Et puis prendre l'importance, parce qu'elle en a une énorme, la femme en islam, et son rôle énorme en islam, pour prôner le libéralisme. Nous, on est des. Moi, je suis. Vous êtes des machos, c'est vous qui tenez les femmes comme ça, et puis nous, on n'est rien, on est du bétail, ceci. Jamais on a dit ça. Jamais de la vie. Jamais. C'est fou qu'ils le disent. Vous faites des raccourcis, vous prenez des bouts de mots, vous dites ça. Qu'Allah me soutienne, par Allah, je jure que c'est pas vrai ça. N'a jamais dit la femme, on la met au placard. Et puis tu fais la bouffe, puis tu te tais, et puis tu sers à rien. Mais jamais! Un musulman, il dit pas ça, c'est pas vrai. C'est vous qui nous faites, qui dites ça de nous. C'est faux. Donc je suis obligé de m'énerver un peu parce que quand on commence à s'attaquer à des choses qui touchent le cœur et la religion, ça fait mal. Ça fait mal surtout quand c'est faux. Voilà. Donc, ça passe par quoi? En gros, donc voilà, prendre l'islam pour justifier du haram. Donc c'est plus grave que je me permets de faire, c'est on dit c'est l'islam qui me permet. Aujourd'hui, la femme va transgresser quelque chose, encouragée par de beaux orateurs ou etc. ou par leur nef, et puis après ils vont dire, ouais, mais c'est pas moi qui me permets. Là, à la rigueur, je pourrais dire c'est que toi et toi. Non, l'islam me permet. Mais faux, mensonge, ridicule. Jamais. Jamais nulle part ça. Mais pas l'islam dans ta fourberie. Jamais, arrête, ma soeur. Donc bien sûr qu'il faut donner du respect et puis de l'amour à la femme. Et ça, Allah il connaît mon cœur. Donc j'ai pas à me justifier là-dessus. Mais cela ne donne pas le droit de dépasser son rôle d'épouse, de transgresser les limites. C'est pas vrai. Non. Je lis des choses drôles parfois, drôles. Donc c'est quoi? C'est de la romance, c'est des beaux poèmes. C'est quoi? C'est pour toucher le cœur des femmes, parce qu'elles sont un peu, soi-disant les nous, les barbus, les istes. On leur fait la vie impossible. Bah, t'as pas encore vu l'enfer alors. Si ça c'est dur déjà. Ok. Alors c'est marrant si c'est toujours des sœurs qui ont des photos avec le tawhid et puis c'est des femmes avec des kalachnikovs. Je suis désolé, je suis obligé de rire. Mais qui peuvent pas supporter une petite application. C'est même pas la charia stricte d'une terre d'islam, c'est même une petite règle ici en terre de Kouf. C'est. Non, mon nef, il a mal, arrête. Arrête, mais elles ont des photos avec des kalachnikovs avec le tawhid sur le front. Schizophrénie. Schizophrénie. Wallahi, schizophrénie. Très très grave. Te rends-tu compte?
C'est pas cohérent. Donc, les hommes aussi le font. Ça, la Syrie et tout ça, le cinéma, j'en avais parlé, c'est de la flûte enchantée. Voilà. Donc, cela n'a pas le droit de dépasser son rôle d'épouse. Ouais, je dis des choses drôles, donc de la romance. C'est ça. Ça sert à toucher les femmes pour qu'elles soient contentes, qu'elles soient comprises par un homme. Bien. Lui, c'est un homme bien. Il est gentil, lui. Lui, c'est un bon gars. Un vrai musulman, d'accord. Donc, il dit quoi? La femme est une petite libellule, un petit nénuphar qui a besoin de vivre dans la nature, au gré du vent. Voilà. Les frères sont trop rigides, arrêtez, laissez les petits nénuphars s'épanouir là où le gazon est verdoyant, là où les oiseaux chantonnent. Tu vis où, toi? Tu vis où, toi? Ouais, si t'as un bout de terrain et ta femme, elle combat avec les oiseaux au sens littéral du terme, il n'y a aucun problème, mais tu vis où là, là? En gros, tu lui dis, vas-y, prends, ouvre la fenêtre, saute, va dans le feu, va dehors, va faire ce que t'as à faire, tu es un petit électron libre. Mais jamais ça! Elle est où la jalousie pour sa femme? Elle est où la protection qu'on lui donne? C'est quoi? C'est lui laisser tout faire? Non. Elle n'a pas le droit de rien faire non plus. Je vais venir après. Mais lui, c'est tout faire, c'est pas bon. Donc c'est tout ça pourquoi? Pardon. Pour prôner le libéralisme. Donc si tu veux vraiment laisser une femme s'épanouir aujourd'hui, en France, selon la plupart des nefs, c'est tu lui laisses tout faire. Tu ne dis rien. Rien. Voilà. Sauf que ça, je suis navré, mais c'est pas de l'islam. Fais ce que tu veux, je te fais confiance, je t'aime. Non. C'est pas de l'islam, ça. C'est pas vrai. La jalousie, elle est là dans l'islam. Les règles, elles sont là dans l'islam. À ce moment-là, abandonnons la religion, Allah ister. On fait tout ce qu'on veut, et voilà, il n'y a plus de règles. C'est faux. Voilà, après voilà, j'ai eu une discussion avec une personne, que je ne citerai pas, mais... Il me disait que les femmes étaient trop tentées. Il me disait que les femmes étaient trop tentées par le matériel, et c'est vrai que c'est pertinent, j'y réfléchis, surtout dans cette société maintenant, aujourd'hui. Donc, ce qu'elles comprennent, ce qu'elles ont compris de ça, c'est qu'elles peuvent être super... comment je pourrais dire? Oui, fraîche, entre guillemets, voilà. S'habiller comme elles veulent, avec les fringues qu'elles veulent, etc. Mais chez elles, pour leur mari. Donc elles ont des Louboutins chez elles. Ça, elles ont le droit. Et effectivement, il n'y a aucun passage du Coran clair qui peut te dire t'as pas le droit d'avoir des Louboutins chez toi, donc elles s'en servent. Sauf que ça va plus loin avec l'ère du Dajjal, ça va bien plus loin. Je vais y venir. Donc voilà, chez toi, tu fais tout ce que tu veux, tu peux ressembler à une actrice américaine, mais chez toi. Sauf que ça, c'est pas de l'islam, je vais dire pourquoi. Donc c'est un gros problème parce que aussi après elles sortent de trop. Ça, c'est un autre problème. Soit il y en a qui restent chez elles en se mettant dans une. Voilà, elles ressemblent à une fille dehors, mais chez elles. Ou alors il y en a qui sortent. Ça dépend. Ou alors les deux. Mais tout ça, c'est quoi? C'est des petites adjels. Voilà, c'est des petites adjels. Je suis dur à me dire, ouais, que Dieu te pardonne, qu'Allah te pardonne, tu dis n'importe quoi. C'est ça. C'est ça, d'accord. C'est des petits dajjals. Tout est faux de nos jours. Tout est faux. Donc pour être belle, selon elle, faut des faux ongles, faut des faux cheveux, faut des faux cils, faut de la chirurgie, faut, faux, 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 faux. Il faut, il faut, il faut, il faut du faux. Et le plus grand faux, c'est dajjal et ses associés. Voilà. Donc t'as ton maquillage, t'as acheté ton sac à main, t'as tout. Voilà. Ça fait de toi une femme belle. Okay. Donc moi, je vais te rembarrer direct. Pour être belle, il n'y a pas besoin de tout ça. Je suis obligé cette urine du diable. J'ai évité le gros mot. Cette urine du diable, il n'y en a pas besoin. Aucunement. Des marques de franc-maçon portées sur ton dos. Bien, la ilaha illallah. Manger chez l'ennemi et venir après dans la communauté. C'est fatigant. C'est fatigant. Donc, il n'y a pas besoin de marque de franc-maçon pour être belle, il n'y a pas besoin de matérialisme, il n'y a pas besoin de superficiel. Okay? La beauté d'une femme, c'est quoi, comme j'aime dire? Et moi, ce n'est pas des belles sérénades de nénuphars dans le gazon. C'est à 5 h du matin, mal réveillée, pas coiffée avant son. Voilà, elle est où la beauté de la femme? Si là, la femme, elle est belle, c'est ça. C'est ça, ou c'est quand elle s'occupe de son enfant, ou c'est quand elle passe, elle te fait un sourire. C'est ça, la beauté d'une femme. Elle n'a pas besoin de se. Comme Allah, il l'a créée. Moi, je trouve beau la nature. Moi, je trouve beau le ciel. Je trouve beau certains corps, certaines expressions du visage, etc. Ça, je trouve beau. Mais c'est pas moi. Un objet, jamais, je veux dire, c'est beau. C'est une création de l'homme. Elle peut être utile, mais jamais beau.
Donc aujourd'hui, on dit, ouais, des belles choses, j'ai le droit d'aimer les belles choses, j'ai le droit d'aimer. T'as le droit d'aimer les belles choses de quoi? D'aimer les belles choses de Dajjal, qui te. Tu vois plus rien, t'es comme ça. Oh là, t'es comme ça, t'as deux boules devant les yeux, tu vois rien, tu vois plus rien. Ou alors c'est moi qui est fou. Soit c'est moi qui est fou. Peut-être. Et moi, je suis convaincu de ce que je dis ici. Ici et maintenant, je suis convaincu de ce que je dis. Alors après, vous faites comme vous voulez. Donc voilà. Le superficiel et le libéralisme, pour moi, ça tue la femme musulmane. Ça la kill. Elle est dead. C'est pas une musulmane pour moi. Certaines sœurs, sans les juger, ce sont des clones d'actrices américaines. Dans le comportement, dans le caractère, dans la façon de raisonner. Mais elles sont musulmanes. Donc tu peux pas lui dire, elle va mettre son voile quand même, elle va faire salat, etc. Mais la personnalité, c'est de la schizophrénie. Wallahi, c'est de la schizophrénie. Elle te parle comme Rihanna ou comme Jennifer Aniston. Mais de temps en temps, elle fait salat. Il y a un truc, je sais pas, il y a un dédoublement de personnalité. C'est wow. J'ai vu ça chez trop de gens. Surtout, c'est le militantisme sur Facebook. C'est j'affirme, je suis une féministe, mais tu peux pas me dire que je suis pas musulmane. Tu peux pas me dire que si. Mais ça n'a aucun sens. Tu veux pratiquer quelque chose. Tu pratiques même quelque chose, même pas tu veux. Des fois, tu le fais en étant dans ton comportement tout dans le sens contraire. C'est comme dire la ilaha illallah à McDonald's en mangeant un Big Mac. Bah, continue à aller manger chez l'ennemi. Continue à aller voir la LDJM. Continue à aller voir à pleurer à Tariq Ramadan pour trouver des réponses. Continue à vous habiller chez Gucci, chez toutes les marques de francs-maçons. Continuez! Il rit de vous, l'ennemi. Wallah, il rit de vous. Il rit de vous. Moi, ça me fait de la peine. Franchement, je suis énervé. C'est pas du jugement, ça me fait de la peine. Wallah, j'ai de la peine. Il y a des soeurs, elles ont de beau potentiel. Elles sont. Wallah, ils sont fait aspirer par ce système. C'est grave, wallah. Donc, les pseudos monstres de mon espèce. Hein, j'ai vachement l'air d'un monstre. Mais seul Allah connaît mon cœur et sait comment je pourrais me comporter avec une femme. Donc j'en ai rien à faire. Donc on ne souhaite pas brider la femme, c'est faux. On ne souhaite pas l'interdire de l'empêcher de l'avoir que à nous diriger tout. Ça, vas-y, continue ta flûte, c'est faux. On ne souhaite rien de tout ça. On souhaite juste qu'elle reste dans les limites de ce que Allah a décrété. Tout comme pour nous. Donc tant que ça va pas aussi flirter avec le Dajjal. Parce qu'on va me dire, oui, mais ce que tu as dit avant, c'est pas dans les limites. Allah nous a pas interdit d'acheter ci ou ça. Déjà, les excès au niveau de l'argent, c'est haram. Et aujourd'hui, il faut voir un petit peu plus loin. Il faut comprendre un petit peu. Tout est mélangé, tout est faux. Est-ce que franchement, tu te sens musulmane? Alors, ça aussi, ça me fait rire, désolé. La Syrie, nana, Kalachnikov, c'est machin, c'est le cham. Mais aujourd'hui, tu étais parti à printemps acheter. Ça n'a pas de sens. Vis ce que tu prétends. Vis ce que tu milites. Vis ce que tu écris sur Facebook. Excusez-moi, j'ai plus de batterie, j'ai oublié de rebrancher. Vis ce que tu écris sur Facebook. Vis ce que tu dis. Vis ce que tu pries. Vis-le. Vis-le. Parce que là, pour moi, c'est pas vécu. C'est je dis quelque chose, mais dans mon comportement quotidien, il n'y a rien à voir. J'avais fait un statut là-dessus avant de pleurnicher sur la misère des Africains en Birmanie ou en Syrie. Réforme-toi ici et maintenant. Déjà, apprends à délaisser le matérialisme, à te contenter de là où tu vas habiter, pas vouloir plus, à manger un petit peu, à faire des bonnes œuvres. Ça, certains en font, il n'y a pas de problème, certains et certains en font. À délaisser le matérialisme et le système du Dajjal, cette schématique du diable. Après, tu pourras dire peut-être, ouais, mais faut. Voilà, le monde, il souffre. Mais là, toi, tu souffres déjà, toi. T'es aveugle et tu veux guider les gens. Non, 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 non. Je suis dur, mais franchement, moi, ça me fait de la peine, hein, de voir ça. Voir quelqu'un qui a une montre à je sais pas combien et me parler d'islam. En soi, vous allez me dire, il a le droit d'avoir une montre. Oui, en soi, mais. Souvent, ça va plus loin que la simple montre. Bref, moi, j'ai compris. Après, qui voudra comprendre. Comprendra et puis qui voudra réfutera. Donc après voilà, donc tant que ça reste dans les limites de ce que Allah a décrété, tant que ça va pas flirter avec le Dajjal, c'est important. Et puis désolé, mais les je sors sans toi, sans voile, je travaille, je m'achète ceci et cela, pour finir, ce n'est pas bon. Ce n'est pas valable. Voilà. Tu peux dire que je suis un monstre, que je veux brider la femme, tout ce que tu veux, mais ça c'est haram et ça n'existe pas en islam.
Donc c'est toi qui veux pas te réformer, et c'est pas moi qui ai un monstre frustré qui veut contenir la femme auprès de moi. Voilà. Oh là-bas. Oh là-bas. Ce Nashilda, il a tué les gens. Oh là-bas avec des talons de marque et des sacs à main. Ok. Oh là-bas, rien qu'une carte d'identité déjà, on dit oh là-bas, rien qu'avec une carte d'identité déjà, il y a un problème déjà. Oh là-bas, oh là-bas. Mais non, c'est Dejjel que t'es. T'es pas oh là-bas, c'est Dounia à toute patate. Dounia à toute patate. T'arrives pas à déjà délaisser des choses simples. Appliquer des choses simples. Je dois faire ça, 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 ça pour mon mari. Et lui, il a aussi des... doit me rendre quelque chose. Je dois éviter toutes ces choses-là. Toutes ces sociétés superficielles. Fais ça avant de dire Khoraba. Pour moi. Parce que même en faisant ça, on ne sera pas encore Khoraba. On a encore une carte d'identité, on a une carte de sécu. Et on va acheter de la bouffe au supermarché. Donc déjà... Enfin bref. Et les mensonges sur le travail. Donc les mensonges des hypocrites, c'est quoi? Khadija. Khadija a travaillé, hein? T'as pas le droit de dire ça, elle a travaillé. Non, non, non. Bah, mensonge encore. On va remettre les choses dans le contexte. Elle a jamais travaillé entourée d'hommes. C'est des hommes qui faisaient des déplacements avec la caravane pour elle. Vérifiez. Jamais elle a été dans la mixité. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc arrêtez de dire oui, mais non, on peut. Vous prenez des hadiths. Que les mots qui vous intéressent. Khadija. Travailler. Oui, elle a travaillé. Elle a un commerce, cette entrepreneuse. Ça autorise pas la mixité, donc arrêtez avec ça. Vous faites du mal. Vous essayez de légiférer ce que l'on interdit. C'est tout ce que vous essayez de faire. Donc avant de pointer du doigt les machos frustrés comme moi, il faudrait essayer déjà de discuter des vices qui sont tolérés. Non, c'est important. Une femme qui craint Allah, qui connaît toutes ces choses en religion, que ce soit aussi bien l'ère du Dajjal que ses rôles d'épouse, que ses limites, etc., elle obéira. Et elle sera heureuse, tout en majuscule, heureuse. Elle ne se sentira pas frustrée ou malheureuse ou incomprise ou elle n'ira pas pleurnicher sur Facebook. Elle connaît. C'est un manque de compréhension de l'islam. Et puis celle qui n'y arrive pas, bah désolé, mais c'est une perverse ou une ignorante. C'est dur à dire, mais c'est la vérité. Voilà, je suis désolé que... S'il ressent de la gêne là-dedans, c'est qu'il y a un problème. Celle qui me dit, une femme qui me dit, Dalil à l'appui, je veux faire cela, Allah m'y autorise. Que puis-je dire? Fais donc. Wallah, même si ça me dérange dans mon ego, mon nefs à moi, fais donc. Bismillah, fais ce que t'as à faire. Mais celle qui me dit, selon ses passions, je veux faire ceci ou cela, c'est hors de question. Hein? En prenant des bouts de hadith ou en écoutant un frère qui a dit que ou nani, non, non, tu fais pas. Tu fais pas, tu fais si t'as une bonne preuve. Et moi, c'est pareil pour moi. Hein. Ma femme, elle me dit, t'as pas le droit de faire ça. Si j'ai aucun bon argument pour me défendre, je vais pas le faire. C'est mutuel, hein. Faut pas croire. Hein. L'épanouissement de la femme, donc je disais oui, mais selon l'islam, uniquement selon les valeurs islamiques, selon la mentalité adoptée dans cette ère du Dajjal. Je me répète, mais j'espère qu'au moins ça va mouliner pour faire comprendre. Une femme, elle veut des cours de Coran, elle veut aller à la mosquée. On peut pas lui interdire. Jamais ces choses-là. Tu peux pas. Dépose-moi à la mosquée. Si tu as les moyens de la déposer, tu la déposes, tu te tais. Je veux prendre des cours de Coran. Jamais tu peux lui interdire ça. C'est pas des futilités. Tu peux pas lui interdire tout ce qui est positif, tout ce qui est utile. Par contre, tout ce qui est nuisible à son âme, là, oui, tu peux lui faire. Tu peux lui couper. C'est pour son bien. Voilà. On nous demande d'être plus souple et respectueux vis-à-vis de l'épanouissement de la femme, voilà, mais ça c'est au détriment de la religion. On veut me faire dire, ou nous faire dire, ok, fais ceci, fais cela, c'est haram ou dangereux pour ton âme, mais fais-le. Voilà ce qu'on veut nous faire dire. Par Allah, jamais. 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 Jamais parce que si jamais je te vois aller dans le feu et que je te dis, vas-y, prends, je suis complice. Je préfère que tu me fasses la tronche, que tu me fasses la tête, que tu me détestes. Hein. Like, tu me détestes, lui, je peux pas le saquer, lui. Et que je finisse seul, et personne veut de moi. Mais je t'aurais dit, fais attention, c'est pas bon pour toi. Va plutôt par là-bas. Ah, laisse-moi tranquille, toi, t'es chelou. Ok. Salam alaikum. Je t'ai averti, c'est tout. Tu fais ce que tu veux. Parce que tout ça, c'est un souci de compréhension de l'islam. Donc vous faites ce que vous voulez, mais venez plus jamais me traiter de monstre ou de frustré. J'accepterai pas. Jamais je n'imposerai à une femme ceci ou cela selon mes passions. Jamais. Par contre, si elle qui veut pas respecter le haq, alors là oui, c'est une perverse et j'hésiterai pas à lui dire. C'est donnant-donnant.
Je suis sincère envers moi-même et envers l'islam, j'espère, Inch'Allah. Si je vois que je me suis trompé, islamiquement parlant, je fais reconnaître mon erreur, je dirai excuse-moi. Si je vois que c'est le 14, je peux lui dire. C'est minimum. C'est minimum. Faut arrêter l'hypocrisie, faut vraiment arrêter, faut calmer son nefs, quoi. Quand le haq il tombe, c'est le haq. T'as le droit de faire ça, fais-le, t'as pas le droit, le fais pas. Il va pas me trouver des arguments. Donc ceux qui font de jolis poèmes pour autoriser ce qu'Allah interdit, pour complaire les sœurs, faites-le. Et puis celles qui se laissent berner, je peux comprendre. C'est tellement doux à l'oreille. Je peux comprendre. Voilà, moi je voudrais cracher sur le féminisme et sur le machisme. C'est deux choses qui sont pour moi dégoûtantes et incompatibles avec l'islam. Je suis contre les deux. Moi je suis pour ce qu'il y a à appliquer uniquement, islamiquement parlant. C'est tout. Et comprendre le plan du Dajjal aussi. C'est les petites brèches, les petites dérives de notre société. Concentrez-vous plutôt sur les valeurs et l'amour. Wallah, pas sur du matériel et puis de l'émancipation satanique. Ça sert à rien. Voyez plus loin. Inch'Allah. Donc je m'attends à ce que la Ligue des féministes islamiques m'envoie des cailloux. Faites donc. Wallah, il connaît mieux mon cœur que vous. Pour finir, je dirais la femme, c'est un bijou. C'est un trésor. Wallah. Et cette société en a fait un bout de viande. Et ce n'est pas l'homme, contrairement à ce qu'ils disent, hein, ce n'est pas l'homme musulman ferme, lorsqu'il interdit à sa femme telle ou telle chose, qui est celui qui la traite comme un bout de viande. Ce n'est pas lui. Non, lui, il la protège, il applique ce que Allah il a dit. Non, non, au contraire, c'est la société satanique qui vous traite comme du bétail, qui vous emmène au casse-pipe. Mais qu'est-ce que vous faites? Désolé, mes sœurs. Pour la plupart, c'est moi. Excusez-moi, voilà, petit bug. Ouais, pour la plupart d'entre vous, mes sœurs, désolé, mais vous dites merci à l'ennemi. Merci. Qui vous écrase? Celui qui vous écrase, vous lui dites un grand merci. Et vous rejetez l'homme qui vous veut du bien. C'est grave ou c'est pas grave? Ça en pleurait, c'est comme ça. J'espère vraiment que vous comprendrez un jour. Inch'Allah, j'espère. Ça en pleurait quand même, non? Celui qui te veut du bien, Allah qui te dit, ça c'est mieux pour toi ma soeur, tu le rejettes, tu le traites. Et celui qui t'envoie au feu, tu le remercies. Moi si c'était que moi, genre si c'était que moi qui étais incompris, genre je prône ça, je suis convaincu de ça et personne ne me comprend, ça irait. Mais c'est quand je vois tout le monde qui va dans des murs. J'ai besoin d'air, j'ai machin, il me laisse pas tranquille. Mais il veut ton bien. Après, il y en a qui font des abus, il y a des frères qui font des abus, ils sont dans l'excès. Faut pas le démentir. Mais les féministes qui n'arrivent pas à encaisser l'islam. Il y a un souci à régler. Il y a un souci à régler, il y a un gros gros souci à régler. Alors, soit vous êtes hypocrite, et puis l'islam vous en fiche, en fait, c'est juste pour. C'est juste une façade. Et en fait, vous êtes bien dans Dounia. J'ai aucune fleur en particulier, je ne sais pas. Soit c'est. Non, l'islam est dans votre cœur. Dounia, Dajjal, vous a complètement aveuglé. Vous a brouillé le chemin. Vous ne voyez plus rien. Vous ne voyez pas la main tendue pour vous accrocher dessus, pour vous détenir. Vous voyez celle qui vous jette au feu. Je me répète, mais je l'aurais dit encore, encore, et encore, et encore. Je n'arrêterai pas de le dire. Étudiez vos rôles, vos devoirs. Vous autoriser et vous interdire en islam. Étudiez-les fermement via les hadiths, via le Coran. N'allez pas plus loin, n'allez pas chercher la parole de quelqu'un qui a dit que. Étudiez. Et si ça vous pique, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est tout. Je ne peux pas faire ça. Mon mari m'a dit que je devais faire comme ça. Ne rejetez pas la faute sur votre mari. C'est ça aussi, toujours. On rejette. Hey, vous êtes en train de vous rebeller contre Allah. Ce qu'a dit le mari, c'est juste ce que Allah il a dit. C'est le haq. Vous dites, mais lui, il est comme ça. Je veux un homme plus doux. Bah, prends un homme plus doux, Inch'Allah. Prends un homme qui te laisse tout faire. Puis on en reparlera. Moi, j'espère que ça aura servi à quelque chose. Franchement, je me fais plus grand espoir parce que je sais que se battre contre des kofars, se battre contre des modérés, c'est dur. Mais alors, se battre contre le féminisme. Parce que les femmes, vous êtes coriaces, hein. Vous avez une idée en tête. Peut-être qu'il y en a une ou deux qui se dira, peut-être pas tort. Pour finir, le mot de la fin, c'est on ne cherche pas à vous faire du mal, on ne cherche pas à vous écraser. L'homme et la femme sont égaux.
et je veux juste dérouler des devoirs différents, selon ce que Allah a décrété. Mais moi, je vous aime, mes sœurs, j'ai rien contre vous. Si Allah il avait dit vous pouviez travailler en mixité, j'ai bien dit si, mais on sait très bien que c'est une fitna et que c'est haram. Mais si, mais ça aurait été personne pour vous dire de ne pas le faire. C'est ça qui m'énerve quelque part des fois. On vous dit quelque chose, mais vous ne comprenez pas. Je ne fais que vous dire, ça tu le fais, ça tu le fais pas. Pas moi qui le dis, c'est Allah. Je ne fais que retranscrire. Il faudra l'accepter un jour, Inch'Allah. Bon courage à tout le monde, hein, qu'Allah vous protège. Et puis, prenez garde au Dajjal. Très 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 grande, très 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 grande ruse. On voit plus rien. On voit plus rien. Dajjal, c'est quoi? C'est persuader d'être dans la bonne direction en étant totalement dans le faux. Pourquoi? Parce que le haqq est mélangé au batil. T'es persuadé, t'es convaincu, t'es dans ton truc, t'es à l'ouest. Qu'Allah ouvre les poitrines, les yeux, les cœurs, les esprits, tout et tout et tout. Amin. C'est important. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.